Salut à tous. Salut. Ah oui, il manque coupe note, mais c'est pas grave. On est vraiment ravis avec Radopo de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, ah, ça va être super intéressant. Déjà, d'une part, de vous montrer le produit en anglais, pas en français, mais le français va arriver, ne vous inquiétez pas. Et d'autre part, de découvrir avec vous les cartes. Alors, je sais très bien que vous avez été mais submergé d'ouvertures en japonais, que les ouvertures anglaises arrivent petit à petit, mais quand même. Sur YouTube France, je pense que découvrir avec vous cette nouvelle extension, c'est quand même super excitant. Alors, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. On va vous remercier dans un premier temps pour vos soutiens sur les vidéos d'Ultra, les deux vidéos qu'on vous a fait la semaine dernière. Ça, c'est super important. Vous continuez à nous suivre, donc merci infiniment. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est pour l'erreur dans la vidéo du week-end dernier. Alors là, pas d'erreur, hein. On fera pas de tirage au sort, on va faire très simple. On reviendra sur l'erreur volontaire que nous avons fait dans la vidéo qu'on va vous faire ce week-end. Voilà, avec un tirage au sort et on vous gâtera, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. La troisième chose dont on aimerait parler, c'est à nouveau des remerciements, mais plutôt des dédicaces. Alors, on aimerait faire trois dédicaces. La première à Laura B, les deux premières à Laura B et à Nami Jolie, qui nous laissent en permanence des commentaires, déjà d'une part super instructifs, super positifs, et je vous remercie vraiment très sincèrement parce que c'est un véritable régal de pouvoir communiquer comme ça avec vous et d'avoir des avis très objectifs sur les séries et les cartes, etc. Donc merci beaucoup, on vous adore. Et puis le troisième remerciement, je le ferai en détail dans une prochaine vidéo, est destiné à Motis Mestelgamin, qui nous a envoyé des cartes. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc merci Eric. La troisième chose dont j'aimerais vous parler, c'est un petit peu de publicité. Vous êtes nombreux à nous demander de faire un peu de pub. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'il est tout à fait logique qu'on s'entraide. Donc, j'aimerais faire de la pub pour Zekrom HD. Voilà. Il vous propose des vidéos, des vidéos GTA, V et Minecraft. Donc, allez voir sa chaîne. Il est super cool. Allez vous abonner. Allez voir ses vides. Voilà. Et puis, avant d'ouvrir le produit et d'en parler, les remerciements aux abonnés. 25 remerciements largement mérités. Truc de ouf. Stanislas Lagrand, Yuri Seba, 86 Natsu, Myriam Matan Mimi, Baudin Eric, Ramazan Atalé, The Gamer 339, Arcofoz, Hearthstone and Minecraft, j'imagine, Jordan Reaper, Marine, Peggy Falacini, Fair Gamer, Firmayan, Mintam Nguyen, Ectoblastma 062, Dracolos 76, Marie-Lou Zerban, Joc Adrien, Toto Bandi 1250, Mich Givrali, Géco 96, Alix Viguier, Camille Lève et Digounis ou Digounice. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors revenons à nos moutons. Ces produits, alors je vais vous expliquer très simplement pourquoi je les ai achetés. D'une part parce que ça me permet de vous faire une comparaison qui à mon avis vaut le coup d'être faite. La qualité du produit et la beauté des tripacks comparés aux tripacks ou aux duopacks qu'on peut avoir en France. Voilà, alors je vous montre les deux tripacks qui sont sortis à l'occasion pour PrimoShock XY5. Donc sur le premier, une carte promotionnelle avec Ditto, donc métamorphe, qui ressemble plus à un Pikachu qu'à un métamorphe en rose. Donc avec 3 boosters, un jeton, ça change pas. Par contre, ce qui change, c'est la qualité, ouais, du packaging en carton, donc ça on adore, et regardez l'arrière, il est absolument magnifique. Enfin, franchement, je vais remettre le tapis, franchement, et ça vaut le déplacement. Ces tripacks sont magnifiques. Alors si je prends simplement les derniers duopacks d'ailleurs qui sont sortis, vous me direz si vous les avez eus, parce que nous on les a trouvés, donc je suis extrêmement content. Je pense qu'on les ouvrira pas, mais je vais les garder pour la collection. Voilà, si on prend un produit français, avec un packaging en plastique, donc déjà, ce n'est pas la même matière noble. Ça, c'est beaucoup plus joli. Ah ben, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Alors, si je vous montre uniquement l'arrière, vous allez vous faire une idée par vous-même. Là, la barrière de la langue, je pense, ne pose aucun problème. Entre un produit fini, esthétique, joli, coloré, et un produit plastique en noir et blanc. Oui, je ne vais même pas me faire de mettre en couleur. Ouais, il n'y a pas photo. Voilà, là, le plastique. Là, le carton, franchement, c'est largement la classe au-dessus. Hein. Voilà. Si vous avez ouvert ces produits ou si vous les avez trouvés, hein, dites-le nous parce que ces produits sont passés inaperçus. Ils ont ressorti des duopacks avec 3 cartes promotionnelles
le Florizard d'Explorateur Obscur, le Dracaufeu de Frontières Franchies, qu'on a en holographique évidemment dans l'extension Frontières Franchies, et puis le Tortank d'Explosion Plasma qui est absolument magnifique. Voilà, du opaque, vous voyez le produit. Alors si je poursuis la comparaison, vous allez voir, si je prends, je vais vous montrer, hop, si je vous prends un booster sous blister, pardon, voilà, XY5 en anglais, avec un arrière qui est très coloré, très joli. Et si je vous prends le même en français, Explosion Plasma, bon, qui date un petit peu en plastique, vous voyez que franchement, on aimerait quand même avoir des produits plutôt déclinés comme cela, plutôt qu'en plastique. Bon, c'est mon opinion. C'est pour cette raison d'ailleurs que je collectionne les blisters étrangers, alors toute langue, hein, en carton. Un jour, on vous montrera notre collection. Voilà, alors petite parenthèse, on est parti. Tu veux ouvrir lesquels, Loulou? Bon, eh ben moi je vais avoir le plaisir d'ouvrir ce. Alors là, même pas besoin de ciseaux, vous allez voir, hein, on enlève. Ah, pardon, excuse-moi, Cradopo, c'est toi qui commence. Alors on va le mettre là. Et puis je vais te laisser débuter. Allez, vas-y. Donc vraiment super excité puisque c'est une véritable découverte. Entre regarder une vidéo et découvrir soi-même les cartes, il y a une énorme différence. Donc c'est parti. On va ouvrir le Tripaco Affarel avec les deux Primo Groulon et le Gaia King. En même temps, j'adore Groulon. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te le laisse. Du coup, on l'ouvre comme ça. Ouais, ouais, tu soulèves, on en gardera deux autres scellés pour la collecte. Alors évidemment, quand on l'ouvre... Attends, je vais t'aider si tu veux, non? Vas-y. Évidemment, quand on l'ouvre, on fusille le carton, mais ben, ça, c'est normal. Hein. Par contre, quand vous le gardez scellé... Il traverse le temps et vous avez énormément de plaisir à retrouver toutes les couleurs. Et puis l'avantage aussi, vous allez voir, il n'y a pas de scotch. Attends, je vais t'aider. Ne force pas, regarde. Voilà. Il suffit juste en fait de le prédécouper ici. Voilà, en haut. Voilà, il ne sert à rien de tout défoncer. Voilà, on a trois boosters. Alors là, évidemment, il n'y a pas de scotch, donc ça c'est cool. En plus, le dernier, ils sont vraiment... C'est trop beau, le derrière. Ouais, ces boosters sont très jolis. Alors, on va se faire une idée. Vous allez vous faire la vôtre sur la série. Bon, la carte est gondolée, mais ça, c'est pas grave. Tiens, je te la laisse présenter. Hop. Et on a aussi un petit jeton. Ah, attends, je vais te l'enlever. Hop, bouge pas. Allez, vas-y. La carte coup à Farel. Dix et grec. Et le petit jeton Fennec. Ouais, il est très joli. En mosaïque. Voilà. Ouais, il est beau. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. Alors, je vais les ouvrir dans l'ordre de préférence. On commence par le Mega Galley King. Ouais, c'est pas mal. On va découvrir les cartes. Ah ouais, et franchement, j'adore. Voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. 1, 2, 3. Hop là. Alors, on commence. Un nid de Queen un peu commune, ils auraient pu le faire en rare. Hein. Ouais, mais elle est belle par contre. Ouais, très très belle. Superbe carte. Ah bah de l'eau minérale, c'est cool. De l'eau minérale, avec les montagnes. Waouh, un galifeu qui est très très beau. Alors, il fait double pied. Ouais. Bah un poussifeu qui est vraiment magnifique. Waouh, on choix, trop beau. Ouais, les illustrations sont sublimes. Jusque-là, rien à dire. Un rhinocorne, qui est très beau. Mmh. Oh, tentacool. Oui. Alors, ce genre d'illustration, on en a eu beaucoup dans l'extension Legendary Treasure. On dirait qu'elle est imprimée. Ouais. Elle est classe, j'aime bien. Mmh. Un Dynavolt. Alors, qui est sublime. Ouais, sublime, celle-là. Qui est dans la savane. Une carte... comment ça s'appelle? Ben écoute, apparemment ça s'appelle des Half Art. Donc moitié Full Art, hein, une Half Art. Qui est très très belle, moi j'aime bien les cartes comme ça. Ouais, elle est vraiment jolie. En plus, les Volcarobot, j'aime bien ce Pokémon. Et on finit avec un très très beau Razzigali en holographique. Eh ben première holo, ça c'est la classe, superbe, magnifique. Elle est très belle. On va voir si Groulon il nous porte plus de chance.
Voilà, vous avez le bonjour de, vous avez le bonjour de Tigresse. Voilà, ne vous inquiétez pas. Elle a l'habitude des vidéos. Superbe premier booster. Les cartes sont vraiment très jolies. Parce que le plus intéressant, c'est quand même de découvrir les illustrations. Voilà, on va les mettre là, les cartes. Hop. On a un Lampérois. Un Monsieur Mime qui est très, très ouais, beau. Qui a trop la classe. Coulé de lave, on va dire. Ouais, vas-y, ouais. Wow. Un Craquenois qui est très beau. Un Gobou. Tiens, on les a retrouvés. Ouais, dans la valisette, ouais. Dans la petite valise. Un Solarock. Qui est très beau aussi. Lumivol. Ouais. Un Sapeureux qui est classique, mais beau. Wow. Meditica qui est très très beau. Superbe carte. Et Ludicolo, qui est super beau. Deux boosters de Zolo, c'est la classe. Ah mais ça c'est une holo, j'avais même pas vu. Ouais. Ouais, super beau. Avec les étoiles. Et on finit avec encore un gros don. Il est cassé au moins. Pas grave. Vraiment, on a eu une petite foularte, on va dire. Ouais, une demi. Ouais, mais c'est cool. Ouais. Faut pas s'arrêter aux ultras. En fait, moi, pour moi, c'est une ultra. Ouais, pour moi aussi. Oh, je suis tellement content de découvrir d'autres séries que... Waouh, elle est vraiment magnifique, celle-là. Un rhino féroce. Wow. Une énergie fée. Qui est très belle. Enfin, ouais, elle est superbe. Comment ça s'appelle des énergies comme ça? Bah, Wonder Energy, une énergie spéciale, une énergie fée. Une énergie fée. Waouh, magnifique celle-là. Hypo-océan. Gobou. Oh, superbe. Oh, celle-là, c'est une des communes les plus belles. Hein. Elle est superbe. Waouh, trop beau. Sympa. Ouais, qu'on retrouve pas mal au pied du mont Chimney. Mais très belle. Un Terrinor, qui est spécial. Elle fait un peu réalité. Ouais. Mais elle est belle. Un Musiole. Lui, c'est comment déjà? Il y a Monorpal. Dimoclès. Dimoclès. Oh, bah, génial. Au massacre en holographique. Oh bah, oui. Trois boosters, t'as cartonné. Hein. Trois Zolo. Eh ben, moi, allez. J'espère que je vais faire aussi bien que toi. Trois holographiques, et c'est quand même un super tirage. Je vais essayer de... Allez, on enchaîne. Hein. Je vous montre à nouveau le dos de ce tripack qui est absolument magnifique. Voilà. Si on le prend bien, on l'abîme pas. Ouais, il suffit juste de le... Hop, on sort les boosters. Donc, alors évidemment, on est très content de vous proposer cette ouverture. Vous connaissez les cartes, hein. Ça c'est clair. Nous moins, parce que de toute façon, je n'ai pas regardé de vidéo. Alors, deux, on va dire. Le jeton, la carte promotionnelle cette fois-ci, parce que ça c'est important. Quand on les collectionne, la XY40. Superbe. Et on attaque. Alors, pour ma part, vous le savez, je suis un amoureux, mais alors inconditionnel de Gardevoir. Donc, je vais faire les Galley Kings d'abord. Alors on espère que vous allez tous bien, évidemment. Je pense que vous attendez aussi, avec impatience, la sortie française. Certains en ont trouvé, hein. Ouais, voilà, mais bon, certains en ont trouvé, d'autres non. On s'en fout, on fait pas la course. Allez, on est parti. Un Mascadra, pour commencer ce booster. Vous voyez ici le petit symbole, on dirait une petite maison, enfin je sais pas ce que c'est. En diamant. Ouais, on verra dans les détails. Ah, Archie. Donc ça, vous rencontrez le personnage dans le jeu. C'est Arthur. Ouais, Arthur, ouais. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Alors, il y a le Obali. C'est Fogler. Et le Fogler, qui est vraiment superbe. L'illustration, les illustrations sont vraiment très belles. Oh là là, elle est trop belle, cette carte aussi. Ouais. Et franchement, ça déchire, hein.
Très franchement, j'étais resté vraiment, vraiment comblé par XY Vigueur Spectrale. Là, on démarre sur les chapeaux de roue. Les illustrations sont sublimes. De la commune à la peu commune, franchement, il y a de la qualité. Hein. Donc, un écrapince, un arachdo, qui est superbe. Oh, elles sont trop belles, ces cartes. Oh là là. Un maril, pareil. Qui est où il fait, hein. Ouais, il est trop beau. Un de mes préférés. Toute génération confondue, Poussifeu, qui est sublime. On a un Castorno, en peu commune reverse, et on finira ce booster avec, allez savoir, une Full Art. Une Full Art, c'est beau. Alors, c'est une Alpha Art, hein, j'imagine. Vous me corrigerez hein, dans les commentaires. Eh bien, elle est vachement belle. C'est bizarre, moi j'aurais préféré qu'il fasse au massacre. Ouais, mais elle est vraiment très jolie. Superbe carte. Eh ben, allez, on continue. Ah, j'ai vraiment hâte d'ouvrir les displays. Ça va pas tarder, hein. Ça va arriver. Allez, on continue. Oh, Barbucha. Le Barbucha qui est super cool aussi. La carte est très belle. On va faire une petite mise au point. Hop là, super. Donc un Barbucha. Un Kakuna Matata. Non mais regardez-moi là. Non mais le cocon fort, il est magnifique. L'illustration est sublime. Un Volcaropode. Un Nobali en mode triple axel. Trop la classe, il est trop beau. Oh, c'est Balignon. Ah, mais sans deck. Si vous me permettez l'expression, je suis sur le cul. Hein. Cette carte est magnifique. Un Zigzaton. Un Aspicot que j'aime beaucoup. C'est un Pokémon que j'adore. Un Sapero, un Didi, alors un Dynavolt en Alpha Art, on va dire, en reverse. Superbe carte. Bah vraiment. Je sais pas, moi j'en fais différent. Ouais, c'est vraiment la classe. Et on finit avec un Azumarill, qui est vraiment très beau aussi. Magnifique. Bah, je suis vraiment conquis, quoi. Allez, dernier booster. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Ouais, mais on en ouvrira d'autres, ça va arriver. Bah, c'est l'occasion aussi de vous proposer une vidéo, puisque ce week-end, par la force des choses, on n'a pas pu. Alors, Castorno. Allez, on finit. Un multi-exp, pardon. Hop là, j'ai cheaté le booster. Un Rhinophéros. Goupix, qui est vraiment magnifique aussi. Bah, c'est la classe, hein. Franchement. Un Tentacool. Meditica. Coquiperle, que j'adore aussi. Ça, c'est un Pokémon qui paye pas de mine, mais il est trop trop chou. Un sac de nœuds, qui est superbe. Ouais, vraiment, les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, Weakness Policy. Ou Policy. Donc, les preuves de police. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond vraiment en français, mais peu importe. Et on finira donc cette ouverture avec un super beau Pokémon. Voilà, cette carte est magnifique également. Donc pour finir, c'est super. Le Junko, qui est très très beau. On dirait un peu un reptile. Ouais, il est vraiment 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 beau. Bon écoutez, je pense que ça vous a plu. En tout cas, très franchement, j'ai adoré cette ouverture. Pas d'ultra, mais franchement, on s'en fout. L'objectif, c'était vraiment de découvrir les cartes. J'ai vraiment hâte de vous ouvrir les boosters, les displays, etc. en français. On a hâte en tout cas. On vous souhaite vraiment un bon début de semaine et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!